De retour avec la chronique Destination Santé en compagnie de Chantal Laberge. Ça va bien aujourd'hui? Eh oui, toi? Oui, très bien. Chantal, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait dit qu'on parlerait d'un programme de perte de poids. Oui. On n'a toujours pas changé d'idée? Non. Il s'appelle... Moi, je ne voulais pas dire perte de poids parce que c'est un perte de quoi? Oui. T'sais, on oui. veut juste, au contraire, gagner quelque chose. Donc, je l'ai appelé Destination Mon Poids Santé. Oh! Parce que tu sais... Il y a des normes qui, des fois, vont dire « Tu mesures 5 et 3, tu devrais peser 115 livres. » Oui, mais moi, si tu me fais peser 115 livres, tu vas voir que je suis un peu maigre. Moi aussi, je pense. Toi aussi? Je pense que oui. Tu sais, ça dépend aussi de ton ossature. Ça dépend aussi, bon, est-ce que tu es en ménopause, est-ce que tu l'es pas? C'est ça qui va faire quand même une différence. C'est ton objectif à toi qui est important. D'ailleurs, dans mon programme, moi, ce que je veux, c'est que je dis aux gens, je vous montre pas, je vous montre un mode de vie. Je ne vous montre pas un régime. Parce qu'un régime, les gens, ils vont le faire, ils vont se priver, un exemple, en descendant beaucoup trop bas les calories. Qu'est-ce qui se fait plus tard? Le corps, il dit, « Tu as rentré un assassin dans mon corps qui veut me faire crever de faim. » Fait qu'il va se venger quand tu vas remanger. Okay. Ça, c'est super mauvais. Il va récupérer puis rattraper. Ben, pire, il va encore plus... Tu sais, on a vu souvent des gens magasiner faire des cures, des régimes à 700 calories qui est tellement bas. Puis qu'après ça, ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il grossait énormément du ventre. Ben, c'est pas drôle, beaucoup plus que ce qu'il avait perdu. Ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, c'est important de faire un mode de vie. Un mode de vie, ça veut dire que tu as deux raisons qui vont faire que tu vas tenir des changements alimentaires. C'est que tu aies des connaissances et que tu sois bien accompagné. Fait que je vous donne les deux. Ça veut dire que je vous explique pourquoi, un exemple, les déjeuners qu'on mange chez les Nord-Américains sont vraiment pas bons pour notre santé, puis sont vraiment pas bons pour la perte ou le gain de poids. Les déjeuners avec du bacon, des crotons, de la saucisse. Ça, oui, mais c'est pas encore ça comme les glucides. OK. Tu sais, les glucides, ça veut dire les chairs, les pains, les céréales transformées. Tu sais, c'est loin de la nature. Ce qu'on devrait toujours se poser comme question, est-ce que ça pousse dans les arbres ou est-ce que ça pousse dans la terre? Mmh. Ça veut dire, t'as-tu déjà vu une tranche de pain pousser d'un arbre? Il y en a qui vont me dire « Oui, mais on voit du blé pousser dans le champ. » Oui, mais il a été modifié génétiquement. L'indice glycémique du blé est à 72, tandis que l'indice glycémique du sucre blanc est à 59. Ça veut dire que quand tu manges deux tranches de pain, tu te dis « Ben non, je ne vais pas manger de dessert pour déjeuner. » Ben, on pourrait dire que oui. Oui, oui. Parce que à toutes les fois que tu vas manger, il y a une formule qui s'appelle glucides moins fibres. Le maximum doit être 24. Tu sais, tu regardes un tableau nutritionnel, ça dit la portion. Si tu dépasses 24, ton pancréas va compenser, puis le surplus va se stocker en gras. Ça veut dire que le but de manger, de t'alimenter, c'est de fournir du glucose dans tout ton corps, qui est notre essence, qu'on pourrait dire. Fait que tu as deux réserves. La première réserve, c'est dans tes muscles, puis ton autre réserve, c'est dans ton foie. Mais quand tes deux réservoirs, ils sont bien pleins, c'est comme si tu vas mettre de l'essence dans ton auto, puis il est plein, ça va déborder. Hein? Oui, ça va vider. Oui, oui. Bon. Fait que le corps, lui, il y a une soupape qui est les cellules graisseuses. Fait que là, ben, tu vas en faire de plus en plus. Si tu n'arrêtes pas de faire compenser ton pancréas avec de l'insuline, puis là, ben, tu viens avec plein de cellules graisseuses, puis que tu n'aimes pas. Fait que tu vois, j'ai des gens qui vont me dire, moi, je ne mange pas beaucoup, mais c'est la qualité que tu manges qui fait la différence. Fait que dans le programme, j'explique toutes sortes de théories comme ça. Une affaire qui est importante à dire, c'est que ça fait moins prendre de poids de manger 3000 calories de bons aliments. Des bons aliments, ça veut dire des fruits, des légumes, des bonnes protéines, des bons gras, que de manger 2000 calories de malbouffe. Fait que la clé n'est pas on coupe pas nécessairement dans la quantité, c'est qu'on va adapter, on va changer les aliments, les ingrédients qu'on utilise pour mieux alimenter notre corps finalement, des trucs qui vont être plus faciles à traiter pour le corps. Oui, en plein ça. Tu sais, admettons, les déjeuners, moi, je les fais changer, tu sais. Nos déjeuners conventionnels, bien, ils sont remplis de glucides. Ça te donne en plus, parce que le pancréas compense, ça te donne le goût de manger du sucre toute la journée. Fait que si tu as envie de manger du sucre toute la journée, tu es tout le temps en train de te battre avec toi-même. Puis tu sais, le poids, c'est quelque chose, parce que moi, je te dirais là que l'aliment que j'ai le plus de misère à faire tasser aux clients, c'est la tranche de pain. Ouais. Sais-tu ce qu'ils me disent? « Oh non, tu m'enlèveras pas ma toast! » Il y a un attachement à la toast. Probablement, nous autres, quand on était jeunes, nos parents faisaient cuire du pain. L'odeur! Ouais, on peut manger par ennui. On peut manger nos émotions.
Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Fait que moi, je dis aux gens, on va essayer de changer des choses. Parce que si tu refais les mêmes affaires, c'est comme si toi, tu me dis, Chantal, moi, je m'en vais dans mon bois, puis à toutes les fois que je prends ma marche, au bout du bois, il y a une roche. Bien, si tu reprends ton même sentier, d'après toi, est-ce qu'il va y avoir ta roche? Ah oui, t'es encore là. Bien, c'est ça. Fait que quand tu veux changer ton poids pour que redevenir à un poids santé, il faut que tu fasses des petits changements. Oui. Mais il faut que tes changements, ils te plaisent. Si, moi, je me rappelle, notre prof, il disait, si tu manges du tofu, même si je ne le recommande pas beaucoup, puis tu dis, maudit tofu que j'aille ça, fallait pas. Tu ne tiendras pas. Fait que moi, dans le programme, ce que j'ai fait, j'ai ajouté des bons déjeuners qui vont être différents. Un exemple, bien, tu peux prendre de la purée de pommes. Tu n'as pas le temps de la faire, achète-toi de la purée de pommes sans sucre. Mm-hmm. Tu peux t'ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues qui va faire des fibres, parce que des fibres, ça te donne la satiété. Parce qu'il ne faut pas que tu me dises au bout de 5 minutes, « Oh, j'ai tellement faim! Hein? » Ce sera pas le fun. Ensuite, tu as ça, des graines de chanvre. Des chanvres, c'est une protéine et c'est aussi des oméga-3 pour notre cerveau. OK. Fait que tu vois, c'est un petit déjeuner que les gens, d'habitude, ils disent, « Ah, sais-tu que c'est quand même super bon? » C'est facile à manger. Et il y a un autre truc que je suggérais, on en a parlé souvent dans des chroniques précédentes, la noix tigrée, qui est excellente, qui est qu'on peut laisser tremper dans l'eau pour la manger comme ça, tout simplement. En plein ça. Puis tu sais, on peut aussi faire tremper des amandes. Parce que le but de manger une amande, d'avoir une amande, que l'arbre crée une amande, c'est plus tard de faire un amandier, l'arbre, OK? Oui. Donc, la nature, nous autres, on devient comme un prédateur par rapport à l'amande. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on la fait tremper 4-5 heures dans l'eau. Premièrement, la petite pelure brune, elle s'enlève. Ça goûte le ciel. Puis si tu en manges une petite poignée avant ton dîner, ça va t'aider dans ta perte de poids. Fait que tu vois, si je fais un petit truc... Ça prend de la place, ça bourre quand même. C'est ça, ça fait de la satiété, c'est notre but. Fait que, tu sais, puis aussi, si tu rajoutes des légumes, tu sais, moi, je dis toujours aux clients, moi, c'est drôle, quand je vais dans un buffet, tout le monde se prend des légumes crus. Il y en a, tout le monde en prend. Mais pourquoi chez vous, vous n'en mangez pas? Ah, c'est vrai. Hein? Mais le samedi, dimanche, un des trucs que je donne, préparez-vous du céleri, tu sais, quitte à ce qu'il soit lavé et que les grands bâtons soient prêts. Mm-hmm. Ensuite, du chou-fleur. Fait que là, quand tu vas arriver pour te faire une salade, un exemple, tu vas ouvrir ton frigidaire, tu dis, ah, je pourrais prendre des chou-fleurs. Je vais te donner un exemple de ce que je mange. Moi, je vais prendre le chou-fleur, je vais couper la queue, je vais la manger. Je vais tout faire des petits bouquets avec. Là, je vais dire, ah, j'ai vu un beau poivron rouge. Blanc puis rouge, ça fait beau. Je vais mettre des olives noires parce que des olives, les bons gras, c'est un bon gras. Les bons gras sortent les mauvais gras de notre corps. Donc, tu peux t'ajouter ça. Tu peux t'ajouter de l'avocat, qui est un autre bon gras. Une huile première pression comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Un petit peu de vinaigre de cidre de pomme qui est alcalin, qui aide notre corps à bien digérer. Puis un petit peu de braque, c'est comme une sauce soya, mais qui est santé. OK. Ça fait « wow », délicieux. Puis tu sais, les gens, c'est que je les amène des recettes, puis je les amène des choses qui sont « wow ». Fait que c'est pas dur de faire des changements. Donc, dans un programme dans lequel on peut encore manger... jusqu'à... Ben parce que moi, faut pas, je te le cache, je suis gourmand. J'aime ça, les grosses assiettes. Alors, c'est un programme très intéressant, Chantal. Nous, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On poursuit dans une prochaine rencontre, toujours avec la thématique de ton programme de perte de poids. Effectivement, on va parler de petites choses comme ça pour donner d'autres petits trucs. OK. Donc, on se revoit très bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup, puis je te souhaite une belle semaine. Toi aussi, François.